Bonjour mes petits sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo de dernier achat Funko qu'on a trouvé et que... Ouais, en fait j'en ai deux que j'ai déjà mis en place que je ne saurais pas avoir. Il est juste là, je le vois. C'était le premier Mickey Funko que j'avais trouvé à la Fnac, parce que j'étais à la Fnac en France, et j'ai trouvé le Mickey et j'ai trouvé le dragon de, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin soit, voilà, j'ai les deux pop que je sais pas vous montrer. Et celle que j'ai retrouvée à la Fnac en même temps, c'est une reine des neiges comme ceci, avec le cheval glace froid. Voilà, c'est comme si vous avez déjà, je vous l'ai montré ou je vous l'ai pas montré. Je pense que je vous l'ai pas encore montré, parce que je sais que comme, oh, il y a une grosse partie de la reine des loges que je vous ai pas montré, parce que mon chéri les a mis directement en place. Ouais, ça va. Je ne sais pas l'ouvrir la boîte, peut-être pas en dessous. On dirait qu'elle se scotchait. Et à la Fnac, on l'a payé 22,99€. Et c'était, je crois que c'était deux achetées gratuites. Du coup, on a pris le cheval, le Mickey et un dragon. Que j'avais pas. J'avais les enfants. Voilà comment ça donne. Un peu déballé. Je les avais pas encore déballé. Aucun de Reine des Neiges. Parce que mon chéri ne voulait pas. Mais il est trop beau, je sais pas si vous allez voir, mais il y a plein de petites paillettes dedans. Il est trop beau, et l'autre il est tout transparent, l'autre. En fait, toute la collection, je les ai toutes maintenant, la Reine des Neiges. Je suis super contente de les avoir. Voilà, ça je les ai trouvées à la Fnac. Je les remets directement dans sa boîte. Hop. Parce que la boîte elle est juste, hein. Du coup, je vous montre là derrière. Je les ai tous. J'ai même des... ceux-là, vous les avez vus, les spéciaux Olaf. J'ai le 10 pouces Olaf aussi qui est par là. J'en ai un peu partout. Après, comme la grosse... grosse rentrée de Funko, c'est lui, c'est Claude. Et j'avais fait une commande avant de plus vouloir les... Pop Disney, et j'ai le Roi Lion spécial tout transparent. Je crois que c'est quand il regarde les étoiles. Il est trop beau comme ceci. Oh oui, il est beau. Oh, il est magnifique. Regardez ce bleu, trop joli. Vous voyez pas, mais c'est tout, il est tout pailleté. On le voit, c'est le Mufasa quand il apparaît pour dire à Simba. Et il est trop chouette. Je l'adore. Il fait, par contre, il fait vraiment plastique. Mais il est super beau. Regardez ça. Il est super beau. Non, je sais pas s'il tient debout. Oui, il tient debout. Il est vraiment magnifique. Il est trop beau. Allez, hop. Voilà. Et vous voyez, moi, la boîte, elle se trouve comme ceci. Et moi, je le mets dans une petite boîte transparente. Hop. Okay. Ça rentre tout seul. Et ça les protège de la poussière pour ceux qui ne les déballent pas. Voilà, moi je ne les déballe pas pour le moment parce que j'ai pas beaucoup de place. Du coup, ils restent en boîte. Je compte quand même bien un jour déménager. Du coup, voilà. Après, j'ai été chez. Je sais plus, mais non. Fondant. Oh, ça va me revenir. C'est pas grave. Oh, Tony. Je vous montrerai le. Son site, enfin ouais, je vous mettrai le son Facebook,
avec toutes les rentrées de pop, parce que lui, ça, il va ouvrir son magasin bientôt. On n'a pas de date, je ne dirai pas la date, mais voilà. Et du coup, on lui prend assez souvent des pop assez spéciaux qui vient de l'USA, qui sait avoir. Et il y en avait une que j'avais vue depuis Noël, je pense, début décembre, fin novembre, début décembre, enfin, voilà, à un moment-là. Vous savez que j'adore clochette, et il y a une clochette qui était sortie en Noël. Parce que j'avais eu cette série-là, Mickey, Minnie, Willy l'ourson et Porcinet. Mais ils avaient fait la fée clochette aussi, qui est pas au dos, bien sûr. C'est une édition spéciale. Elle est trop belle, je la voulais, et je ne savais pas si... si quelqu'un allait la voir, parce que c'est toujours délicat de voir les pop assez plus, enfin plus rares, de chez nous du moins. Je vais essayer de la ouvrir parce que les boîtes sont bien calées des fois. Et en plus ils font des petits paysages maintenant, je sais pas si vous savez. Regardez là, c'est un beau paysage de Noël, trop beau. Qui donne bien avec la pop. Hop. Celle-là, j'avais dit que je la déballerais pas, mais j'ai envie de la voir de plus près. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Regardez son petit mon truc. Et quand vous mettez la pop, hop, et ça, ça donne vraiment très beau. Vous le mettez dans votre décoration et vous mettez votre petit tableau. Si vous savez, vous le plastifiez parce que c'est juste du carton. Pour ceux qui savent plastifier. Voilà. Et ça donne vraiment, vraiment bien avec la pop. Enfin, moi je trouve. Hein, maintenant, ils n'aiment pas certaines décorations. Moi, j'aime bien. Ça donne... un petit charme spécial à la pop. Hop. Et comme toujours, on la remet dans sa boîte de protection. Enfin, toutes mes pop, la plupart de mes pop sont dans ces boîtes-ci. Hop. Bien facile. Il faut que j'achète. Il faut que j'en rachète parce que j'en ai plus. Il me faut que je l'achète pour la Elliot. J'en ai deux d'Elliot à mettre. J'ai les les Duo et Tri-Park à mettre. Voilà. Après, ça c'est un peu pour moi et mon chéri, mais voilà. On a pris les Kellogg Zéro. Voilà. On a une petite pop zéro dedans. Voilà, comme ça. Je fais la dégustation juste après la vidéo, si ça vous dit. Je vais l'ouvrir avec le chéri quand il va rentrer. Parce que là, il est parti chercher ses affaires de travail. Du coup, je vais ouvrir ça dans une autre prochaine vidéo, celle qui va suivre. Enfin, je sais pas si je les mettrai en suivant, je sais pas encore. Mais enfin, la prochaine que je vais faire, j'aurai encore le même pull, la même tête, pas bien, fatiguée, mais enfin, soit. Du coup, on va s'ouvrir ça en vidéo et on verra ce que ça donne, si les Kellogg sont bons ou pas. Voir si la ketchup, je crois que c'est comme ça que ça se dit, si la ketchup est la même, c'est un porte-clé que celui que j'ai déjà. Si c'est le même, j'ai envie de le mettre à mon porte-clés, lui. J'aime bien Zéro, moi. Et alors, c'est aussi chez Tony. Je vous mettrai son Facebook avec toutes les rentrées de pop de partout. Voilà. Et celle que j'attendais depuis un moment, je vous ai dit quand j'ai fait la grosse vidéo de toutes les pop que j'attendais une. Quand je vous ai montré, c'est... Oh, je sais plus son nom. Elle est là. Carl. Je vous ai dit, j'attendais la maison de là-haut. Et la voilà en bon état, surtout. C'est ça qui m'a porté le plus. Parce que pour tous ceux que j'ai regardés, les boîtes étaient cassées, déchirées, plein d'eau. Mais moi, elle est en super bon état. Et ça, je suis contente. J'ai juste les poussières de travaux, mais ça, c'est pas un souci, ça part. Voilà, elle est trop belle.
je vous le montre là derrière. Elle est quand même lourde. Je pensais pas à ce point-là. Voilà. Vous voyez, celle-là, j'ai pas de boîte plastique pour la protéger. Du coup, il faut que je prenne les mesures pour la racheter. Voilà. Logiquement, j'avais dit que je ne l'avais pas. Parce que j'ai pas envie d'abîmer la boîte, mais. Oh non, ça me tente de trop. Je fais du bruit, mais je suis désolée. Mais si on veut voir de plus près, je vous montre le petit décor, encore une fois, qui est trop, mais trop beau. C'est vraiment l'univers de Carl. Du coup, je pense que plus tard, je mettrai ça. La maison de là-haut. Je sais plus comment. Kevin et Carl dedans. Et maintenant, il me manque. J'aimerais bien avoir le chien. J'ai plus son nom, le chien. Il faudrait que je me... Voilà le petit Kevin qui est trop, mais trop beau. J'adore cet oiseau. Il me fait rire dans ce film. J'aimerais même le refaire. Je pense que je vais me le refaire dans quelques temps. Moi, je pense. Je vais le mettre directement. Et la maison. Pourtant, oh ouais, elle pèse. C'est ça qui pèse lourd. Je suis pas une fan de tout ça, pourtant, de maison. Mais la maison de là-haut, elle est tellement belle. Mais elle est tellement belle. Les ballons, regardez comme c'est... Je vous montre les ballons, les détails des ballons de toutes les couleurs. Le petit coq. Je sais pas si vous allez bien voir le petit coq aussi au-dessus. Mais tout est bien, bien fait. Voilà. Ça, c'est la porte d'entrée qu'on voit là. Vraiment... plein de détails, c'est vraiment... Moi, je me suis dit, non, elles vont pas être belles, je vais pas les prendre. Et... En fait, c'est une merveille. Une merveille. Mais, c'est pas léger, quand même. Mais en tout cas, pas laisser tomber, parce que je suis sûre que... elle casserait. Même les détails, je sais pas si vous allez voir des tuyaux. Je sais pas si c'est les tuyaux de quoi... de la maison, vraiment tous les détails, les couleurs. Bon, je vois qu'il y a des défauts de peinture par contre, mais ça, encore une fois, c'est vraiment minime, mais elles sont vraiment trop bien faites. Regardez cette merveille. Alors, quand vous mettez la maison et hop, je vais tenir par ses pattes, c'est mieux. Kevin, ben voilà quoi. Voilà. Kevin est un peu grand quand même pour la maison. Il est presque... Il rentre même pas. Regardez ça, il fait presque la maison entière. C'est vrai que... Voilà quoi. Mais c'est trop bien fait. Elle s'envole. Elle s'envole. Elle s'envole. J'aurais bien aimé qu'il fasse... mais en plus petit, hein. Mais avec une petite ficelle. Pour faire un peu qu'elle vole. Une pop volante. Mais plus petit, hein, pour avoir... avec une petite ficelle pour la pente en hauteur. Et plus légère surtout. Parce que je sais pas ce qu'il y a dedans, mais... Elle est lourde. Elle est lourde. Voilà. Et voilà, je vous ai tout montré. Du coup, mes deux coups de cœur pour ces pop que je vous ai montré. C'est bien sûr la pop clochette. Et... la maison de là-haut, c'est mes deux gros coups de cœur de cet achat. Dites-moi en commentaire quel pop que vous avez préféré. Laquelle que vous avez. S'il y en a une qui vous fait plaisir, je mets le lien de Tony en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller le voir. Et bon, les maisons de là-haut, il faut un moment pour les commander parce qu'il n'a pas... il y en a une ou deux. Il sait en avoir une ou deux. Et puis il les donne parce que c'est à l'infirmerie. Il y a déjà encore 14 personnes qui attendent pour la maison de là-haut. Du coup, c'est un long délai quand même pour ceux qui veulent. Voilà. Mais les autres, il n'y a pas de souci. Il va bientôt ouvrir son magasin dans des mois à venir. Logiquement, il aurait bien voulu février. Fin janvier, février. Je ne sais pas exactement. On verra. Et on vous tiendra au courant. Mais je vous mets quand même le lien Facebook en barre d'infos. N'oubliez pas un petit pouce. Ça me fait plaisir de commenter,
de liker, de partager si c'est pas déjà fait. Partager avec vos amis, famille, tout plein d'amis, voilà. Et de je ne sais plus parler aujourd'hui, ça va plus. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.